Au contraire, c'est l'heure où la vie commence pour le Wheel Squad. Tout le monde sur l'escalier. Décollage immédiat. Vous allez décoller sans moi. Je dois aller chercher mon père au conservatoire. C'est ça. Quoi? Tu m'étonnes. À chaque fois que tu décides d'aller chercher ton père, ça tombe comme par magie le jour où ton Émilie a justement son cours de flûte. C'est vrai, c'est carrément dingue le hasard, non? Même que ça en devient presque paranormal. Et c'est qu'il est amoureux. Alors là, les gars, vous dites vraiment n'importe quoi. Et d'abord, c'est pas mon Émilie. Hey, Hakim! Toi et tes roulettes, rappliquez ici! Hein? Oh. J'arrive! Mais sûrement une livraison! C'est pas toi qui parlais encore tout à l'heure de la vraie vie du squat? Regarde, Jessica! J'ai bien l'impression que les pompiers viennent juste de s'arrêter près de chez toi! Quoi? Oh là là, mais... On dirait que c'est chez Madame Rosalie. Ça ne m'étonnerait pas que cette vieille excentrique ait oublié le gaz. Madame Rosalie! Madame Rosalie! Oh, vous m'avez fait tellement peur. Le voilà, votre matou. Oh, c'est fini. Tout va bien. Elle s'était coincée dans la gouttière. Oh, la pauvre petite chatte sans défense. Oh, elle exagère. Elle a osé téléphoner aux pompiers simplement à cause d'un chat. Si vous saviez, mes chéris, je suis morte. Mais quelle journée! Ce matin, je sors de chez le coiffeur, il pleut. Ensuite, je fais brûler mon déjeuner. Et puis Marilyn se coince dans la gouttière et... Pour finir, j'ai comme l'impression qu'il y a encore un petit problème quelque part. Ça, c'est une mission pour Johnny. Le super plombier. Compteur kilométrique et absorbeur de choc. Mon père les a fait faire d'après un moulage de mes pieds. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ben... Je peux faire partie de la bande? Émilie, ce serait super. Mais il faut aussi en parler aux autres. Ah oui, on y va? Ben, dans ce cas, tu mets tes rollers si tu veux que ça roule vraiment. Ouais. Au début, elle est froide. Mais une fois qu'on y est, elle est bonne. Aïe! On croirait le Titanic. À propos, vous savez qu'ils vont raser les vieux studios de cinéma à côté? Alors tu vois, tu fais des progrès. Maintenant tu devrais essayer de freiner sur les poteaux. Attends, pas si vite. Tourne pour t'arrêter. Mets ton poids sur une jambe. Ah, bah dis donc, j'ai la
l'impression que c'est pas encore ça, côté roller. Hein. Lui dis pas ça, elle veut faire partie du squad. Et pourquoi pas? Mais ce sera pas facile de convaincre Jessica. La voilà. C'était le projet d'affiche pour mon film. S'il était sorti, je crois que ma carrière aurait été foudroyante. Waouh ! Qu'est-ce que vous êtes belle ! Et c'était quoi le titre du film ? Quai de la Lune. Tenez, séchez-vous ou bien vous allez finir au lit. Il ne manquait plus qu'un rhume pour mon anniversaire. C'est votre anniversaire ? Oh, cool, on va faire la fête. Allez les enfants, oublions ça. On arrive. Ok, on y va. Hey. À plus tard, Madame Rosalie. Et surtout, couvrez-vous bien. Bon quoi, il ne fait vraiment pas froid. Salut. Ouais, salut. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Bon, alors voilà, Émilie m'a demandé... Je veux entrer dans le squad. Toi, entrer dans le squad? Qui m'a déjà dit oui? Johnny, toi? Moi, je suis... Bon, faut réfléchir. Hein? Parce que c'est la fille de Monsieur Rotter, elle devrait avoir tous les droits. Bien, et dis-moi ce que tu veux que je fasse. Passe le test, ma grande. Quel test? Le parcours du terrain vague, bien sûr. Le parcours? Tu crois pas que tu y vas fort? Là, franchement, t'exagères. Moi, ça me va très bien. Bob, emmène-moi voir à quoi il ressemble, ce parcours. Hein? Dis donc, si vous voulez pas de moi, c'est plus simple de le dire. Qu'est-ce que vous espérez? Que je me casse une jambe? Tu sors? Hein? Tu n'aimerais pas que j'en parle à maman, hein? Alors, ça te fera 5 chupigums. Voilà, enfin la star. T'en as mis un sacré bout de temps pour mettre 2 rollers. Bon, on est tous là. Mais qu'est-ce qui se passe? Demain, c'est l'anniversaire de Madame Rosalie. On va quand même pas la laisser toute seule un soir de fête, non? Mais... c'est elle qui veut rester tranquille. Johnny, j'aimerais bien t'y voir si jamais on oubliait ton anniversaire. D'accord? On lui fête. C'est quoi l'idée? Une petite balade dans les vieux studios, ça vous tente? On pourrait peut-être essayer de retrouver son film. Hein? Oh. Ah. C'est pas brillant pour des studios de cinéma. Je suis sûre qu'il reste encore plein de décors, de trucs, de photos. Il va falloir se dépêcher avant qu'il casse tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle s'y croit déjà. Oh. Oh. Pas préférer un petit gâteau d'anniversaire? Elle aime les gâteaux. T'as peur des fantômes, Bob? Hé, arrête de faire de bruit. C'est sûrement le studio principal. Venez, on va faire un gâteau. Jessica, opération Anguille, les gars. Par ici, sale bête. Hop là.
Je vais voir s'il y a une autre entrée. T'es dingue! Dans tous les films d'horreur, il y a toujours un idiot qui se sépare du groupe. Arrête ton char! Par ici, la visite, messieurs, dames! Waouh! Génial! Un plateau de tournage! Oh, des films! Des tonnes de films! Toutes ces pellicules! Vous imaginez si on trouvait le film de Madame Rosalie? Quoi? Fouiller dans tout ça? T'es complètement folle! En plus, on ne peut même plus lire les étiquettes. Il faudrait que je sorte les pellicules une par une. Allons, Bob! Seulement la lettre Q! Bon, allons-y, Hakim. Voyons si on peut trouver quelque chose d'autre. C'est elle! C'est Madame Rosalie en plein tournage! Regarde la forme du bâtiment. C'est ici! C'est fou! Elle a tourné ici, quai de la Lune. La voilà, la bonne idée! La fête d'anniversaire, on peut la faire ici! Alors, ça avance? Ça avance. Oh, on n'arrête pas. Je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais Emily aurait pas été trop... Et quelqu'un a une petite idée de l'endroit où peut se trouver maintenant la lettre Q? T'inquiète pas, Jessica a vraiment une super idée. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que c'est vous qui avez enfermé mon chien? Tu peux le caresser, tu sais, c'est vraiment une brave bête. C'était drôlement chouette, votre idée d'anniversaire. Quel dommage. Attendez! Pourquoi quel dommage? Dès demain après-midi, les bulldozers vont débarquer ici et raser définitivement tous les studios. On nous avait dit la semaine prochaine! Les travaux ont dû être avancés. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça! Nous devons faire quelque chose! Ils peuvent repousser les travaux? Ça ne dépend pas de moi. Il faudrait voir avec la compagnie Jackson, c'est elle qui a racheté le terrain. On va s'en occuper demain avant d'aller en cours! Ce n'est pas une patinoire ici. Qu'est-ce que vous voulez? Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire prévenir le directeur que... Laisse-moi faire. Nous cherchons le responsable. Je regrette, qui... mademoiselle, mais... Revenez avec vos parents. Attendez! Vous n'avez pas le droit! Oups, dites donc, elle s'agglisse drôlement. Faites attention! Il faut l'excuser, madame. Il débute. Allez voir au second bureau, 261. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et on va rater le début des cours. C'est vous qui vous occupez du chantier des vieux studios? Oui. Enfin, c'est beaucoup dire. Nous sommes commanditaires. Ce n'est pas nous qui dirigeons le chantier. Et qui c'est alors? Quoi? La Word Marthe? Monsieur Rotter? C'est simple, on n'a qu'à demander à Emily. On se calme. Pour commencer, elle n'allait pas en cours ce matin. Les cours! Tu vois, si Emily avait été avec nous, mais maintenant c'est trop tard. Tu veux la recette d'un bon gâteau? Je sais que j'ai été dure avec elle. Allez, Bob, s'il te plaît. Pendant ce temps, Johnny et moi, on s'occupera de Madame Rosalie. Ok, j'irai avec Hakim. Et quand est-ce que je vais faire mon devoir de maths, moi? Là! AX2 plus BX plus C égale... Avoue que tu es content d'aller la voir, ton Émilie. D'abord, c'est pas mon Émilie. Et laisse-moi un peu me concentrer. Mais arrête de gigoter! Et voilà, c'est gagné! J'ai trempé mes notebooks à cause de toi! Où ça? Je vois rien. Ici, la goutte, là! Ah ouais, je la vois maintenant. Mais je te l'avais dit.
Je ne voulais rien faire pour mon anniversaire. Allez, dépêchons-nous. Le shopping n'attend pas. Pour commencer, il faut faire quelque chose pour vos cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui les ai dans ma poche. Et hop là. Ils se sont tous moqués des rollers que tu m'as offerts. J'en veux plus. C'est cela que je veux. Très bien. Tu les auras. Quelque chose. Ah oui? Et pourquoi je voudrais vous aider? Hein? Après tout, je ne fais pas partie de la bande, moi, monsieur. Émilie, tu ne vas pas nous laisser tomber. Hakim! Oh! Ne bougez pas! Je reviens tout de suite! Mais enfin, il exagère, ce chat! Vous voulez que je fasse arrêter un chantier de démolition? Rien que ça. De toute façon, mon beau-père ne revient jamais sur ses décisions. Bien sûr, si vous décidiez de me laisser rentrer dans votre bande... Mmh. Ouais. Oui. On va s'arranger pour le test. Bien. Dans ce cas, j'ai une idée. Mais ça ne sera pas facile. Alors, Marilyn, tu vois bien qu'on peut s'entendre. Mais tu devrais faire un peu attention à ta ligne, ma belle. Mais, tu es sûre que tu sais faire ça? Oui, j'ai vu maman le faire des centaines de fois. Hein? Tiens, tiens. Jessica? Surtout ne bougez pas, il faut laisser agir. Mission accomplie, chef. Et grâce à cette affiche, je vais pouvoir faire une pub d'enfer. Tu peux compter sur moi. Alors au travail, l'artiste. Oh. Ça tombe bien. C'est l'heure où il repasse ses cravates. Il ne laisse personne toucher à ses collections. Comme Hakim avec ses casquettes. Son ordinateur personnel est sur le bureau, là-bas. J'ai une idée. Quoi? Et voilà, gagné. Comment tu as su? C'était quoi le code d'accès? Émilie. C'est malin. Je vais avoir mauvaise conscience maintenant. Voilà le papier en tête de la Walmart. Messieurs, en raison d'une urgence, nous vous demandons de reporter la démolition des studios à lundi prochain. Et pour la signature? Oh. Facile, elle est déjà dans l'ordinateur. C'est bon, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Allez, vite, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais prévenir les autres. Génial. Alors là, c'est pas cool.
En plus, j'avais réussi une méga affiche. Vous ne voulez toujours pas de mon gâteau ? Hé ! Bonsoir, les jeunes. Voilà une bien triste journée, hein. Et tous nos beaux projets sont démolis. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais prendre une bonne retraite. Ça va me faire tout drôle. Mais je m'y ferai, et puis après tout, il me restera quand même tous mes vieux films pour me rappeler le bon temps. Mais c'est vrai, tous vos vieux films ! Et est-ce que par hasard, Quai de la Lune, ça vous dirait quelque chose ? Madame Rosalie ! Madame Rosalie ! Venez voir à la fenêtre, c'est ce soir, votre fête. Ce soir, c'est l'anniversaire d'une jeune vingtenaire. Ce soir, venez tous à la fenêtre. Allez, le quartier de la butte, venez voir le film culte. Allez dans la rue, oui, tout le monde est invité pour lui souhaiter son, son, son. Oh non, Marilyn! Oh, cette fois, c'est moi la vedette! Je suis parfaitement zen. Je me suis bien entraînée, vous savez. Émilie, écoute. Attends, tu n'as plus besoin de passer ce test. C'est pas de la rigolade, tu sais, ça peut être très dangereux. La dernière fois, j'avais une mauvaise position et vlan. Bien, Émilie ? Alors là, t'as été vraiment géniale. Mais est-ce que t'es complètement folle ou quoi ? Alors t'as bien vu que j'étais capable de faire ce test ? Tu parles un coup de chance, oui. Tu veux que je le refasse, peut-être ? Non, c'est pas la peine. Ouf. Ah !